Thank you for the welcome. Merci Thank you for the invitation. Pour l'accueil et pour l'invitation. Thank you so much for the Merci lovely pour welcome. Cet accueil and chaleureux. Et quelle joie particulière c'est pour moi d'être en compagnie de Sogyal Rinpoche, dont l'œuvre merveilleuse est si bien connue pour tant de gens dans le monde entier, et qui se focalise sur le livre tibétain de la vie et de la mort, et qui nous ramène à un sujet que tant de nous voulons fuir, que nous ne voulons pas regarder en face. Et quand nous y sommes confrontés, nous découvrons à quel point nous y sommes mal préparés pour ce voyage vers lequel nous embarquons. Et même le voyage pour arriver ici est très long, d'ailleurs. Vous l'aurez remarqué sûrement, je ne suis pas la première personne à vous le dire, j'imagine. Mais quand vous arrivez ici, ça vaut vraiment le coup. C'est tellement magnifique. Vous voyez l'éternité qui s'étale devant vous d'une façon magnifique. Et qui pourrait avoir peur de l'éternité devant un tel paysage? Et on se prépare tellement bien pour aller à l'école, pour le travail, pour aller au collège. Nos enfants n'iraient pas à une discothèque sans passer 6 heures dans la salle de bain pour se préparer à l'avance, et combien de temps dans les boutiques, en utilisant d'ailleurs nos cartes de crédit. Et pour tellement de choses dans nos vies, nous nous préparons si méticuleusement. Et pour ce voyage, pour certaines parties de ce voyage-là, nous avons des difficultés à penser en termes de préparation. Et c'est vraiment remarquable que cette année, pour la première fois, nous ayons fait ce travail scolaire de demander aux gens qui étaient en train de mourir qu'est-ce qu'ils veulent. Et la grande majorité d'entre eux, la plus grande majorité d'entre eux, voulaient mourir chez eux. Et qu'est-ce que ça veut dire chez eux? Ça veut dire en un lieu où ils se sentent aimés, un lieu familier. Chez soi, ce n'est pas un lieu effrayant, c'est un lieu où nous pouvons nous détendre, nous sentir à l'aise. Ils veulent avoir tout ce qui est familier, ils veulent leur famille autour d'eux, ils veulent être en paix avec eux-mêmes. Et en même temps, nous savons dans la réalité de la vie que la vaste majorité des gens mourront pas comme ils veulent. Ils mourront à l'hôpital et ils mourront dans des hôpitaux où les gens vont essayer très très fort de les sauver. Il y aura de la musique, de la télévision, des allées et venues. Ça sera un lieu affairé, un lieu très difficile pour les gens pour qu'ils puissent trouver leur espace les uns pour les autres. Et ça, c'est un lieu très dur aussi pour les familles. Les familles se demanderont comment elles peuvent vraiment s'intégrer. Et donc, vous faites vraiment une grande différence. Vous faites une différence. Le monde commence à regarder ce problème, cette question, par des yeux très différents. Et je voudrais vous remercier pour ce centre de soins palliatifs nouveau, merveilleux, qui va vraiment prendre soin de la personne entière, pas seulement la maladie qui va les priver de la vie, mais qui va prendre soin de la personne humaine dans son intégrité. Et leur permettre de vivre jusqu'au point de la mort de la meilleure façon possible, que ce soit aussi joyeux, aussi bon, aussi accompagné que possible. Et ce lieu qui aidera aussi les familles qui entourent les mourants. Et donc, être capable de célébrer aussi cet autre travail qui est fait ici, cet aspect humain d'inviter les gens à ce lieu, qu'ils viennent pour des formations, pour un an, pour 6 mois, ou comme ma mère disait, prendre une douche cérébrale, on pourrait presque dire. Bref, je crois que tout le monde qui a eu une maman irlandaise sait ce que ça veut dire. C'est avoir sa tête douchée. Bref, c'est sentir qu'on a un espace dans la vie. De contempler peut-être des choses plus métaphysiques que simplement se demander ce qu'on va faire pour dîner ou qui va venir prendre le thé. Contempler un peu cette éternité, contempler cet autre monde que parfois nous sommes trop affairés pour contempler et que nous fuyons. Donc ce lieu est merveilleux, c'est un lieu de grand approfondissement, c'est une vraie communauté dans son meilleur, absolu meilleur. Donc, appréciez vraiment cette journée et merci encore pour la merveilleuse occasion que vous avez donnée à Martha et à moi-même. Je me sens très privilégié de faire partie de cette communauté aujourd'hui. La dernière fois que j'ai reçu cela, ça venait du Dalai Lama. Merci beaucoup.
Merci, c'est l'ingratitude. We live well and die well. Donc vivez bien et mourrez bien. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Nous avons besoin de vos enseignements, Rinpoche. Merci, au revoir. Ha 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 ha!